Biden en appelant le Hamas à accepter une nouvelle offre de trêve en 30 ans de 6 semaines avec libération de tous les otages, sans aucune mention des prisonniers palestiniens, sans que cela ne s'arrête pour ce qui se passe à Rafah, puisque Netanyahou a dit clairement qu'il allait continuer jusqu'au bout. En quoi la guerre va-t-elle se terminer, vu ces déclarations? Où est la libération des prisonniers politiques palestiniens? Ne sont-ils pas eux-mêmes aussi des otages? Qui est-ce qui va continuer à contrôler la bande de Gaza qui est complètement exsangue? Ah oui, le marché de la reconstruction, c'est ça que l'on fait miroiter à Gaza. Déterminé à rester dans un premier temps, le jeune homme a dû se rendre à l'évidence. Rester, c'est signer son arrêt de mort, dit-il. Je viens de partir. C'était de la folie. Ça tirait de toutes parts dans les rues. J'ai couru. Ce n'était plus possible de rester à Rafah. Les drones tiraient sur toute personne qui se trouvait dans la rue. Les chars ont atteint l'ouest de Rafah. Moi, j'ai été contraint de partir. Non pas par peur des troupes au sol, mais à cause des drones, poursuit-il. Ils sont meurtriers. Ils ne sont pas là juste pour faire de la surveillance. Ils peuvent tirer à barre réelle, tirer des missiles et lâcher des bombes. En plus de Rafah, il faut savoir que le nord de l'enclave est également sous le feu de l'artillerie israélienne. Gazaville, Beit Lahia, Beit Jala, l'armée dit avoir visé 50 cibles à travers la bande de Gaza ces derniers jours. D'abord, je voudrais condamner la récupération que font certains, les propos racistes tenus contre les musulmans par Maréchal Le Pen. Et au Parti communiste, on se félicite aussi la condamnation de Zemmour cette semaine contre le peuple sénégalais. On doit s'appuyer sur tous les citoyens et toutes les forces politiques qui se battent pour un soutien à deux États, pour la paix et pour une coexistence pacifique. Réduire le drapeau palestinien au Hamas et l'israélien au parti d'extrême droite, c'est ramener chaque camp à ce qu'il y a de pire. On voudrait vous faire part de l'intervention qu'a fait Alma Dufour, députée LFI à l'Assemblée nationale, mardi 28, qu'on a trouvée très, très belle et qu'on voulait partager avec vous. C'est suite à cette intervention qu'il y a eu le déploiement de drapeaux à l'intérieur de l'Assemblée nationale, avec les conséquences dont vous avez entendu parler. Alors que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de cesser son offensive sur Rafah, une cinquantaine de personnes sont mortes, calcinées, dans un camp de réfugiés bombardé. Un enfant a été décapité. L'hôpital de Rafah a cessé de fonctionner et les chars viennent d'entrer dans la ville. Cela va faire 8 mois que le monde regarde 2 millions de personnes vivre en enfer, car elles sont enfermées, sans eau, sans nourriture, sans médicaments. Bombarder les victimes de cet abattoir à ciel ouvert, ce film en temps réel, Hunger Games, n'est plus seulement un divertissement. C'est la réalité dans le téléphone de nos adolescents. Oui, la suite donc de cette même intervention. J'ai mal à ma France, me disent beaucoup de nos concitoyens. Moi aussi, j'ai mal à ma France, patrie des droits de l'homme. Mais qui est devenue patrie du droit du plus fort. J'ai mal à la France des Lumières, qui permet qu'on transforme des gens en torches humaines au nom de la lutte contre l'obscurantisme. J'ai mal à ma France de la Révolution, qui défigure la démocratie, même en justifiant qu'on affame 2 millions de personnes en son nom. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui. La France doit annoncer la suspension des échanges économiques avec Israël et demander l'intervention immédiate des casques bleus. Rafah n'est pas qu'une frontière, c'est un miroir. Si vous ne le faites pas, ma question, Monsieur le Premier ministre, c'est comment vous pourrez vous regarder dans une glace. Les manifestations se déroulaient partout en France et notamment à Paris. Et un camarade, on a cette chance, pouvait y être, se trouvait être à Paris ce jour-là. Il va vous dire son émotion.
Oui, bonjour. C'était pas le jour-là, pardon. C'était le lendemain, c'était mardi et mercredi pour un déplacement. J'étais à Paris et j'étais très très impressionné par ce que j'ai vu. Ça fait une dizaine d'années, j'ai participé à beaucoup de manifestations à Paris, les grandes manifestations. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de manifester partout en France parce que l'ambiance elle est rarement aussi paisible que par exemple ici aujourd'hui. Et sur Paris, il y a beaucoup de gens qui ont peur de manifester et il y a encore beaucoup de gens qui viennent manifester mais qui ont peur. Parce que lorsque vous arrivez sur la place, il y a un accès et après tout est nassé par les forces de police. Et bon, ce que j'ai vu, c'est donc des foules, une foule innombrable, avec donc tous ces accès bloqués par la police, avec la brave M en position casquée, avec la matraque télescopique déployée, et puis une foule hyper enthousiaste, très 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 jeune, qui ça fait très très chaud au cœur, parce qu'ils étaient vraiment... ils sont déterminés, vous voyez bien qu'il y a des manifestations tous les soirs. Et ce qui m'a aussi impressionné, justement, avec toute cette crainte de violence policière, c'est le changement d'attitude de la police lorsque des députés sont arrivés avec leur écharpe, donc reconnaissable par le fait qu'ils portaient leur écharpe et qu'ils sont intervenus sur la place. Et j'ai vu des CRS enlever les casques sur ordre et remettre les calots. Et donc cette attitude a permis de faire une espèce de zone tampon alors qu'il n'y avait pas d'hostilité de la part des manifestants. Alors bien sûr, après, ça part en manifestation et là, les choses sont pas toujours très très apaisées. Mais enfin, ce que j'ai pu constater, c'est quelque chose quand même d'extrêmement enthousiasmant, je voulais en témoigner. Et puis, avec une détermination qui est assez, assez remarquable et des foules considérables d'une magnifique jeunesse. Et voilà, c'est un message vraiment d'encouragement que je voulais partager.